Caxe Moyos et vos bon Dieu bénigne. Mais nous vivons le 19 août et qui s'en applique aujourd'hui, hein? L'appli Évangile chez Jean, le chapitre 6. C'est un gros discours que Jésus a fait. Donc, il est discours ça, discours sous pain la vie. Discours ça a fait après que Jésus a fait multiplication des pains. Quand il y a 5000 personnes qui suivent les gens qui ont grand goût, Jésus a pris 5 pains et il fait 5000 personnes manger avec 5 pains, avec 2 poissons. Et nous songeons après ça que foule a suivi Jésus et Jésus a fait un reproche. Il dit, n'a pas suivi moi parce que nous mangeons pain et puis ventre nous remplit. Ça fait nous pas grand goût pour pain qui baille la vie n'est allée. Et là même Jésus dit, moi c'est pain qui baille la vie. C'est pour nous manger comme c'est pour nous boire sans. Nous songeons le Jésus dit ça, Mounio protestait, il dit qu'il en voulait pour nous manger corps. Qui j'en voulais pour une boisson. Et Jésus t'a dit, en vérité, me dit, pour que si on croit en moi, la bien la vie n'est allée. Mais personne n'a pas réussi à croire la parole moi, si ce n'est pas bon Dieu qui donne la grâce. Sans la grâce de Dieu, l'esprit humain, notre faible, ne peut pas comprendre l'éveil dont Dieu a réalisé. Et Jésus continue, il dit, oui, moi c'est pain qui baille la vie. C'est pour manger comme. Prends, manger. Ça, c'est comme moi baille pour nous. Et Libral dit, à la dernière scène, Libral dit, ouais, ça c'est sans nouvelle alliance, sans nouveau contrat, sans qu'il pourra couler pour nous. Et Jésus n'a pas changé en virgule dans le discours là, comme quoi pour faire mon plaisir. Et pour nous virer d'eau. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui parlent. Oui, pour m'éveiller ça, présence réelle, corps, accent, Jésus, la paix que nous recevons à la communion. Vraiment, enseignement ça mystérieux. Et c'est peut-être ça, il y a des gens même qui remettent Jésus, qui gagnent la Bible en bas braille tout le temps. Le parcours, non. Enseignement central, ça. Le parcours, non. Merveille, puissance, bon Dieu, qui capable réaliser des merveilles pour nous. Jésus n'a pas voulu, d'ailleurs, nous enseignons ça, c'est pour nous comprendre, que Jésus n'a pas voulu comme quoi ils sont nous, que nous avons prié, mais qui en dehors, il voulait entrer en dedans nous, pour changer de corps nous, il voulait pour sang qui était coulé, pour racheter nous, passer, couler leurs veines par nous. Donc, un vrai chrétien accepté. Changement radical, bon Dieu, Jésus l'a fait dans la vie, nous. Ou même tout, c'est pour chercher à vivre en communion avec corps, accent, Jésus. Jésus t'a dit, si le monde n'a pas mangé comme, il n'a pas boire sans, il n'a pas gagné la vie, la lit. Cherchez moyen, souvenez gagner la vie, Jésus, là, ou humblement, avec un pile respect, avec adoration. Ou manger pain qui baille la vie hein, chaque fois à la messe le dimanche. C'est pour mon Dieu béni. Nous offrons maintenant la même réflexion en français. Nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire, le 19 août, et la lecture d'aujourd'hui nous expose aux déclarations surprenantes de Jésus sur l'Eucharistie. Ma chair est vraie nourriture, mon sang est véritable boisson, déclare-t-il avec force. Et quelques-uns de ses auditeurs protestent, mais Jésus, loin d'atteigner ces mots, les renforce. Celui qui mange, qui ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang, n'a pas la vie en lui. Évidemment, ce discours prendra plus de sens à la dernière scène, quand il apparaîtra que cette réception du corps et du sang du Christ se produira par le biais du pain et du vin. L'Église, depuis ses origines, proclame sa foi inébranlable dans la présence réelle du corps et du sang du Christ dans le pain et le vin de la messe. Cet enseignement est mystérieux. La grâce seule peut nous la faire accepter. Jésus veut vivre à l'intérieur, non pas à l'extérieur de nous. Son sang doit couler dans nos veines. Nous sommes appelés à faire partie de sa famille de sang,
à être ses partenaires dans sa divinité. Le vrai chrétien doit vivre en communion avec Jésus. Le pécheur est appelé à mourir à son ancien mode de vie et à renaître pour devenir un autre Christ au milieu de ce monde perdu. Notre vocation est extrêmement élevée. Quand le comprendrons-nous vraiment? Chrétien, nourris-toi de Jésus, de sa parole, mais de son corps et de son sang. Celui qui ne mange pas de ce pain n'a pas la vie en lui. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole pénètre vos esprits. Amen. Beloved brothers and sisters, we are celebrating today the 20th Sunday in Ordinary Time, and we are reading chapter 6 of the Gospel of John. Today again, we hear the Lord asking his followers to eat his flesh and to drink his blood. Some in the crowd immediately protested this unusual and shocking pronouncement, but Jesus did not change one word from his speech. Actually, he reinforced his statement, "My flesh is real food and my blood true drink. The one who feeds on me will have life because of me." To those who still question his saying, remember what took place at the Last Supper when he took bread and said, "Take and eat. This is my body given up for you." Likewise, he took a cup of wine, saying, "Take and drink. This is my blood, the blood of the new covenant, the blood to be poured out for you. Do this in memory of me." On these and many other biblical teachings, the Church forcefully affirms that Jesus' body and blood are really present in the Eucharist. This has been the constant teaching of the Church from the beginning. It's only more recently some people say, no, it's not his blood. We do it in memory of him. It's a fellowship meal. It might be a fellowship meal, but it's much more. It's a meal of the new covenant in the body and blood of Christ. This teaching is mysterious. Grace only makes it acceptable. Happy are those who appreciate the power and splendor and awesomeness and inescapable realism of this teaching. Jesus doesn't want to be outside of us, but he wants to be inside of us. He wants us to be the real partner of his humanity and divinity. Our thoughts and sentiments are called to be renewed and enlightened by his own spirit within us. A true Christian is a person who accepts a radical change so as to be one with Jesus. Resolve to repent, to open your hearts to God's grace, and to live in communion with him. Remembering his word, "He who does not eat of my flesh shall not have life in him." Open your heart to this key and crucial teaching of Scriptures. May the Lord bless you and enjoy your life in communion with the Lord Jesus. Amen.